de cette rencontre. Les compositions probables de cette rencontre, Barcelone pour une formation 4-3-3, Madrid 4-2-3-1, quelques meilleurs joueurs Griezmann, Suarez et Messi côté Barcelone. Côté Madrid, on a Costa, Lemar et Félix. Pour les joueurs indisponibles, on a Ousmane Dembélé, il est blessé. Franky De Jong est aussi blessé. Sergio Roberto, il sera incertain. Côté Madrid, on a Mario Hermoso, il est blessé. Koke Lai carton rouge. Stéphane Savi aussi carton rouge, donc ils seront forfaits. Pour les faits du match, sachez que Barcelone est invaincu lors de ses 28 derniers matchs à domicile en Liga. Et Barcelone a gardé sa cage inviolée lors de ses 4 derniers matchs à domicile, toujours en Liga. Madrid a gagné ses 4 derniers matchs en Liga. Il y a eu au moins 3 buts marqués lors des 3 derniers matchs à domicile de Barcelone en Liga. Madrid a gagné par 1 but d'écart lors de ses 3 derniers matchs en Liga. Donc comprenez que cette rencontre sera un peu serrée. Côté classement, Barcelone est 2e, Madrid est 3e avec 58 points. Les meilleurs joueurs, on a Suarez, Messi, Busquets avec les différentes notes. Niquez, Pate et Trippier chez Madrid. Les buteurs, on a Messi qui a 21 buts, Suarez 13 buts, Griezmann 8 buts. Côté Madrid, on a Morata 9 buts, Félix 6 buts, Correa 5 buts. Pour les passes décisives, Messi en a 17, Correa 6, Koke en a 5, Suarez en a 8, Griezmann a 4 passes décisives et Diego Costa en a 4. Donc voilà un peu quelques informations qui vont nous permettre de placer nos paris pour limiter les pertes. Donc nous revenons sur l'option en question. L'option c'est deux gardiens de but toucheront le ballon pendant les 3 premières minutes du match. Les deux gardiens de but vont toucher le ballon pendant les 3 premières minutes du match. Si c'est possible, la cote égale à 1.98. Dans le cas contraire, la cote égale à 1.73 à notre droite. Est-ce que dans cette rencontre, pendant les 3 premières minutes, le gardien de Barcelone va toucher le ballon ou bien le gardien de Atlético de Madrid va toucher le ballon? Donc vu les statistiques de cette rencontre, le match sera un peu serré. Sachez que Barcelone donne rarement le ballon à son gardien. C'est même chose aussi pour Atlético de Madrid. On peut tenter nos chances en prenant le fait que les deux gardiens ne vont pas toucher le ballon pendant les 3 premières minutes. En bonus, vous pouvez placer vos paris sur période minimale 100 buts moins de 9 minutes. Si c'est possible, la cote égale à 1.8. Dans le cas contraire, la cote égale à 1.9. Ou bien période minimale 100 buts pendant les 49 minutes, si c'est possible, la cote égale à 1.85. Dans le cas contraire, la cote égale à 1.85. Tentez vos chances là-dessus. Cette vidéo tire à sa fin. Pour ceux qui veulent plus d'informations, les coordonnées se trouvent dans la boîte de description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.